Yo les gens, on se retrouve sur Final Fantasy, le premier jeu d'horreur sur ma chaîne. Et je sais pas si je suis bon après jouer parce que en vidéo sur les autres ça fait pas trop marrer, mais là continue. Enfin non, ça fait marrer quand c'est l'autre, mais continue voilà. Donc vu que moi ça va peut-être pas me faire marrer, genre allez je tourne, et bah je vais vous dire à plus et puis continuez bien et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao. Et puis lui il est dans son poste et il va se faire tuer par des nounours robotiques qui deviennent démoniaques. Les jetons, donc en fait, il faut absolument pas qu'il ferme tout le temps toutes les portes, etc. Donc ça tombe à gauche, vous avez une barre power left et usage de l'énergie. Donc vous en usez, puis ça se vide le jeu. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, the magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days, as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children if you show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your safety, the only real risk to you and the Night Watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first they see a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Et en plus, attendez, je suis magicien, j'ai dit qu'il allait dans la salle à manger il y a 10 secondes. Et c'était lui qui y allait en plus. Oh, putain, je vais dehors. Putain, j'ai trop froid ce moment. Je suppose que même si je m'en putain, plus j'ai rien. Coucou mon ami. Vous restez là. Putain, l'autre il est parti, non? Non, c'est bon. Pas chier, bordel, con. Encore s'il n'y a pas sur le bord des portes, ça me va, mais là putain ils m'ont pas par-dessus, mais ça, je peux pas ça putain. C'est 2h du matin et il a bougé.
bah il fait son show. Bah il dort. Ils ont pas bougé. Oh les... Alléluia. Putain, 3h du matin, on a moins de... On a encore plus de la moitié. C'est bon. Je me suis pas à 6h. Ah. Putain, je vais me faire défoncer, là, je le sens. Parce que dans les 20 autres fois, j'ai voulu vous faire monter en fermant les portes. Là, en 3h du matin, j'en étais à 40%, alors qu'on aurait jamais eu assez d'électricité. Alors qu'il me semble que dès que vous commencez à jouer, vous auriez il vous montrera de l'électricité à la fin. Ouais. Putain mais... Regarde, putain c'est horrible. Il y a une putain de tête. J'ai observé tout à l'heure, ça a une sorte de gâteau qui n'est pas un gâteau. Ça me fout les jetons, putain, c'est à cause de ça que je... Je vais arracher. Il est là. Alors toi, je te quitte pas des yeux. Et là, ça utilise au maximum d'énergie, mais j'ai les jetons, je peux pas. Je vais essayer d'avoir un screamer. Vous me dites des canards. Oh, je sais qu'ils sont là, alors je regarde pas. Tiens, putain, je pensais qu'il allait passer de cuisine à je sais pas moi, mais non, ce con, non, il passe de cuisine à couloir d'à côté de moi. Putain, oh, je vous jure, j'ai déjà ça fait des moustaches. Genre les putains de jetons. Putain, ce ventilateur il s'arrête sur mon marche, ça me fout les jetons, ça putain. Il s'arrête, putain, même si t'as chaud, il s'arrête, il se met en marche, ça sert à quoi. Je mets l'iPad, mais je... Putain! Ah putain! Et putain, mais quelle bande d'enculés! Ah putain, j'étais sûr qu'il fallait pas que je mette ça, putain de bordel de gueule, est-ce que c'est possible ça? Regardez putain, il nous dit déjà on va se faire buter, mec, regardez. Ce nounours là qui se déguise en... Putain, on va se faire buter des limites, mais putain. C'était Fox, je sais pas, mais il est mignon son arme, putain je l'aimais. Merde, fallait que je me continue. Bah ouais, c'est plus bien, c'est pas...
Voilà, c'est bon, on a réussi. Bon, ça va, on a pas eu faim. Oh putain, pas la deuxième vie. Non, 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 non. Au revoir. C'est déjà ça. Là, c'est encore. Il faut prendre un coup de carence. Putain, y'en a déjà un qui s'est barré. Y'en a déjà. Bah, j'ai arrêté déjà là. Puis voilà. Voilà, les gens, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer l'un des screamers les plus fonds parce que ceux-là étaient encore. Pas encore. Enfin, Sweetfox, c'était pas encore génial. Donc voilà, je vais prendre une partie de la vidéo de Squeezie pour vous montrer vraiment un bon screamer. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse regarder. Bon, le chef de la pizza devrait oh investir dans une centrale. Ça... Voilà, donc voilà, c'est un screamer et puis je vais vous en passer deux autres et puis ensuite on se quittera et puis voilà. Bon allez, bah, je vous laisse déjà et puis avec les deux autres screamers et puis voilà. Allez, ciao à plus. Deuxième screamer de Blédard. Oh putain, ça fait stresser un truc de malade. Je vous jure les amis, ils sont sur aucune caméra. Mais vous êtes partis où là? Vous êtes où? Mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Ils ont disparu des caméras. Vous vous êtes donné rendez-vous dans la cuisine? Même pas, y'a personne. Ça se trouve, ils sont hors champ caméra. Ça se trouve, je peux pas les voir. Troisième screamer encore de Blédard. Ça va s'ouvrir. Il est là! Je l'ai vu! Non, non, j'ai gagné! Non! Ne me tue pas! Ne me tue pas, s'il te plaît! Et voici le dernier screamer de Jamie Serre. Excusez-moi si je prononce pas bien, enfin bref, voilà. Allez, je vous le laisse. Au bureau, j'aurais pleuré, mais. Non, lui, il préfère rester et puis voilà, il continue son travail. Je sais, il faut faire vivre sa famille avec un travail, mais dans ce cas, tu démissionnes, hein! Ah oh, putain. Voilà les gens, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur une prochaine vidéo, donc sûrement TS2 ou farming. Et puis voilà, bon allez, ciao tout le monde, à plus.